Bienvenue, bienvenue sur le plateau de ETV Service. Oui, votre quotidienne, vous connaissez déjà les horaires, mais on va rabâcher encore un petit peu. Midi et demi, 17h, 23h, tous les jours, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. On vous fait découvrir nos talents. Et aujourd'hui, on va parler d'art, d'exposition. Oui, car je reçois une artiste plasticienne, mais qui est aussi poétesse. Elle est avec moi sur le plateau de ETV Service. Bienvenue à Pekka. Bonjour Slaini, est-ce que ça va? Oui. J'aime bien demander comment ça va à mes invités, c'est pour être sûr que. Oui, ça va. Si ça va, tu es en forme? Très bien. Joyeuse, le sourire resplendissant. Merci. C'est bien, on va apprendre à te découvrir. Oui. Donc tu es artiste, déjà plasticienne et hors antenne, je te demandais déjà qu'est-ce que c'était qu'une artiste, justement plasticienne? Oui. Ben, une artiste, justement, qui manipule les matières. Okay. Et le résultat, justement, de toutes ces matières, puisque c'est une technique mixte, hein, en tout cas moi que j'utilise, la technique mixte, avec différentes matières, et pour donner, justement, ben, ce résultat avec cette œuvre, en tout cas, les œuvres d'art contemporain et poétique, que, okay. En tout cas, que j'exposerai. Et il y a une matière que tu préfères, justement, que tu utilises souvent? J'utilise beaucoup de matières, mais j'ai une sensibilité pour le fil de nylon. Le fil de nylon, ouais. D'accord. Et à quel âge as-tu commencé justement à t'intéresser à l'art? Eh bien, je te dirais que pas très longtemps, parce que c'est le résultat d'une expérimentation. Le résultat d'une oui. Tout, comme ça, le résultat d'une expérimentation. Eh bien, écoute, au départ, j'ai écrit toutes ces pensées, les ouais. 90 pensées en résonance, et j'ai voulu en tout cas marier, faire la résonance avec les pensées, et avec les œuvres, donc justement, puisque la thématique qui est 90 pensées en résonance, résonance, l'acrostiche, en tout cas le poème en acrostiche, résonance, que j'ai ouais. voulu intégrer, et avec cette acrostiche, résonance, okay. réveil, émotion, silence, oui, nourriture, naître, conscience, être, âme. Okay. Et j'ai voulu en tout cas marier chaque thématique avec une œuvre, pour que justement, elle soit justement dans cette résonance. Excellent. Est-ce que tu as déjà fait des expositions justement de tes œuvres, ici en Guadeloupe ou même ailleurs, Paris, Martinique, Saint-Martin, dis-nous tout. Ben, j'ai commencé à Basse-Terre. Hey, Basse-Terre. Hey, la soufrière qui est juste derrière nous. À Basse-Terre, okay. oui, à Basse-Terre, à la Maison de l'Architecture okay. et du Patrimoine. Donc j'ai eu ce privilège de pouvoir justement exposer à Basse-Terre pour faire découvrir justement cet univers poétique que j'ai. Ok, justement, donc tu es poétesse, comme on l'a dit aussi. À quel âge as-tu commencé la poésie? Là aussi, ça a été sur le tard? Ben, écoute, j'ai commencé très très jeune. Je okay. dirais, j'ai commencé à écrire déjà, du moins, que ça soit l'écriture de nouvelles, de textes poétiques. Mais j'ai commencé très jeune. Déjà au lycée, j'écrivais déjà et j'ai été un petit peu poussée un petit peu par mon prof de français de l'époque, okay. Madame Pam, et qui m'avait inscrite justement à un concours national. Et j'avais D'accord. eu justement un prix avec la Ligue des droits de l'homme, un prix de mention spéciale du jury pour cette nouvelle que j'avais écrite, Le temps de parler. Ok, tu écris en français, en créole, en anglais, tu écris... Français, ouais. créole, français, créole. D'accord. J'aime beaucoup écrire en français, mais j'aime beaucoup chanter en créole également, puisque je chante également. Eh oui, elle est chanteuse aussi. Oui. On a, faudra rajouter ça dans le synthé aussi, chanteuse, poétesse, artiste. Et voilà. Justement, quel est ton style musical, vu que tu nous as lancé, donc on va apprendre à te connaître. J'aime le groka, parce qu'on okay. aura joué groka. Hein. Oh Quels sont les rythmes du groka? Ah, ben c'est le kalaja, le roulé, le padjambel, les roses, le tour black, etc. Le ah ouais. mende. Et si j'en oublie, ben je sais qu'il y en a sept. Voilà. J'ai oublié un. Tu as oublié un. Lequel? Je ne sais pas, parce que j'étais sur le etc. J'allais te dire, mais il n'y a pas etc. dans le truc. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Mais voilà, en cas joué groka. Excellent. Et tu danses aussi? Ah, pas qu'à danser. Non, pour l'instant, bon, voilà, j'ai pas pu le faire, en tout cas, pour des raisons, mais je joue. C'est facile à apprendre, le groka? Est-ce qu'on peut apprendre ça, je dirais, en peut-être un mois, deux mois? Devenir peut-être un expert, mais quand même savoir avoir les bases. Ça dépend de sa motivation. Okay. Quand on est motivé, on est passionné, rien n'est difficile. Okay. Moi, j'ai appris, je dirais, assez vite parce que je voulais goûter à... Quand j'entendais vraiment le groka, ça fait battre, ça fait bouger les choses en oui, toi. Oui, ça résonne dans le cœur. C'est une résonance. C'est fou, ça, mais c'est exactement, c'est une résonance. Et pour moi, c'était une normalité de jouer au groka. Et as-tu déjà justement écrit un poème sur le groka ou sur le ka? J'ai écrit il n'y a pas longtemps, justement, c'était à l'occasion, c'était une demande spéciale okay. d'une amie danseuse, Jessica Jacobin, qui m'avait fait justement cette demande d'un texte et qu'elle voulait justement intégrer les rythmes du groka.
Et j'avais intégré justement dans ce texte poétique, j'avais intégré tous les 7 rythmes pour justement parler de ce que ça procure en tout aux émotions en fait. Parce que ça crée des émotions. On ne peut pas qu'attendre ça et puis que ça... Et rester comme ça, insensible, c'est impossible. Non. Est-ce qu'on a une poésie guadeloupéenne? Est-ce qu'il y a une poésie qui nous est propre? On a des codes? Est-ce qu'il y a une façon d'écrire? Est-ce qu'il y a des images qu'on prend en utilisant des phrases et tout? Est-ce qu'il y a une poésie, justement? Est-ce que ta poésie, justement, est guadeloupéenne? Ou est-ce que c'est une poésie générale? Voilà. Qui... Moi, je dirais que ma poésie est universelle. D'accord. Ma poésie, je ne mets pas des portes. Je l'ouvre. Okay. Donc, justement, c'est pour porter justement ce regard que je porte sur le monde, c'est l'ouvrir. Ouais. L'ouvrir au monde. Donc, moi, je dirais que non, je ne la ferme pas parce que je suis effectivement guadeloupéenne. Ouais. Il faut justement laisser cette possibilité à tout un chacun, que ce soit le français ou le créole, qu'on se retrouve tous. Et puis, de toute façon, l'oralité, je pense que quelle que soit la langue, même si on ne comprend pas tout, mais c'est dans l'intention, l'émotion, ce qui se dégage de ce qu'on peut dire, forcément, l'autre capte cette émotion-là. Ok. Est-ce qu'il y avait des poètes qui, justement, t'inspiraient quand tu étais plus jeune, poète, homme ou femme, n'hésite pas, dis-nous tout. Et est-ce que tu as des poètes qu'on peut découvrir, nous, si on veut se lancer dans la poésie? Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner? Y a des poètes, effectivement, qui ne sont pas à présenter. Hein. Notamment, je dirais, j'ai un trou de mémoire. Ça arrive tout le temps. C'est le plateau qui fait ça. Et vous avez remarqué que tous mes invités ont un trou de mémoire? C'est normal, c'est le plateau. Je mets quelque chose dans l'air et puis d'un seul coup, hop! Donc, déjà, Trois-Rivières, on avait Sonny Rupert. Hey, c'est bien de citer Trois-Rivières. Oui. C'est bien de citer Bastère. Oui, c'est bien de citer Trois-Rivières. Et puis, il y a de nombreux poètes, en tout cas, auxquels on s'inspire parce qu'ils ont marqué l'histoire. Donc. Revenons à l'art, justement, puisqu'en plus, tu auras une expo très bientôt, si je ne me trompe pas. Oui, une exposition, donc ma vision poétique et artistique, intitulée 90 pensées en résonance. 90 pensées en résonance. Pourquoi pas 100 pensées? Il en manquait 10. Parce que c'était 90. Ça non, je t'embête, hein, ça peut être 90. Ça devait être comme ça. Devait être comme ça. Et je pense que je n'ai pas choisi. Hein. Je pense que justement, c'est la poésie qui m'a choisi également. Donc, les 90 pensées ont été choisies. Poétique, art, c'est exceptionnel. Donc ça se passe à Saint-Claude, si je ne me trompe pas. Oui, l'exposition a lieu à la médiathèque Bernadette Cassin-Pierrot à Saint-Claude du 26 mars au 9 avril 2020. C'est gratuit, il faut s'inscrire en ligne, il faut prendre sa place avant sur le net, il faut te voir, il faut t'appeler, comment est-ce qu'on fait? Ben, l'expo, l'entrée est libre. Ok. Tout public, d'accord. Sont invités à découvrir justement cette exposition avec ses œuvres d'art contemporain et poétique, donc ouvert à tous, et puis se renseigner également à la médiathèque de Saint-Claude pour les visites commentées avec ma présence également, pour pouvoir commenter avec le public cette exposition qui est pluriartistique et immersive, qui nous plonge dans un univers de pensée, et également c'est les pensées, les 90, avec les œuvres d'art contemporain justement associées à ces pensées. Il n'y aura que tes œuvres ou il y aura d'autres artistes invités qui pourront exposer? Ou si justement, il y a des artistes peut-être de Saint-Claude, je dis des bêtises, mais qui veulent peut-être t'appeler pour te proposer peut-être 2-3 œuvres, est-ce que tu vas accepter? Donc dis-nous tout, est-ce que c'est ton expo perso ou est-ce que ça sera ouvert à d'autres artistes? Donc en fait, c'est dans l'idée de Poétique Art, ma vision poétique artistique, c'était justement d'aller dans cette itinérance. Donc justement, j'ai pas eu l'opportunité en tout cas d'avoir à collaborer avec d'autres artistes plasticiens. Okay. Donc ça a été un projet qui a été pensé pour justement permettre justement d'exposer la poésie, de l'ouvrir et de faire cette itinérance. Donc qui a commencé à Bastère, donc au mois de mai 2019, qui va continuer en tout cas à Saint-Claude. Ensuite, et puis après, partir à Bemao, au Gosier, et puis revenir sur Trois-Rivières. Excellent, mais c'est parfait. Et justement, est-ce que tu penses qu'il y a une certaine collaboration entre artistes guadeloupéens? On sent que souvent, vous avez envie de vous connecter, de vous contacter, mais que vous n'avez pas le temps ou la possibilité ou même les lieux afin d'échanger. Est-ce que tu le ressens ou est-ce que c'est moi qui suis fou? Non, mais je dirais qu'il n'y a pas d'espace aussi, je pense. Ah, aussi. Il n'y a pas d'espace. Je pense
pense qu'il faut peut-être avoir cette idée de penser à des espaces de rencontre entre des artistes plasticiens ou poètes. Bon, je pense que ça se fait déjà, mais on devrait justement avoir la possibilité de qu'il y ait des parrains, des marraines, des parrains et des marraines, pour pouvoir justement, pour ceux qui arrivent, pour vous les aider justement à faciliter le passage. Ok. On parlait de poésie tout à l'heure, caribéenne. Tu nous disais que non, tu laissais justement la possibilité à tout le monde d'avoir accès à ta poésie. Parlons maintenant d'art. Est-ce que ton art, est-ce qu'il y a un art déjà caribéen, un art donc guadeloupéen, est-ce que ton art justement reprend certains codes de la Guadeloupe? Moi, je dirais que l'identité de ce que je veux faire, les mots ont une place très importante. La parole, justement dans cette exposition, la parole, elle est très importante dans l'exposition. Et la marque, vraiment, moi, je pense que c'est plus ces couleurs, là. Ces couleurs, le côté, justement, très lumineux, très chaud. Ok, des couleurs vives. Oui, c'est vif. Et voilà, on va rester dans les couleurs, on va rester dans cette chaleur, justement. Et je pense qu'elle s'identifie, en tout cas, par cette couleur. On sait que tu es un petit peu touche à tout, on a vu ça, tu es chanteuse, donc on rappelle, PK, chanteuse, artiste plasticienne et poétesse, est-ce que tu fais aussi de la photo? Parce que je crois que la peinture et l'univers de la photographie, ça lie un petit peu, et on peut un petit peu les associer. Est-ce que là aussi tu t'inspires de photographie? Est-ce que tu fais de la photo aussi? Alors, je ne touche pas à ce domaine-là parce que... je laisse un petit peu pour les autres. Je ne touche pas à ce domaine-là parce que je ne maîtrise pas. Hein. D'accord. Mais il y en a ceux qui le font très très bien. Et non, je pense que je touche déjà à certaines activités qui sont complémentaires, hein, puisque associé à la poésie, ce chant de l'âme que j'associe à la poésie. Donc je chante, je mets en musique, les textes poétiques. Ouais. Et également, moi je joue également à la guitare, également m'accompagner également avec mes textes. Excellent. Quel est le retour justement du public guadeloupéen, que ce soit pour tes poésies ou même pour ton art? Est-ce qu'il est réceptif et est-ce qu'il y a un public guadeloupéen vraiment addict de tout ce qui est poème et art, art, expo et compagnie? Déjà, à la première itinérance à Basse-Terre, j'ai reçu un accueil vraiment, beaucoup d'émotions, très surprenant, parce que la poésie, l'exposer, effectivement, de cette manière, ils n'avaient pas encore vu de cette manière, effectivement. Ouais. Donc, moi, j'ai voulu justement faire ce lien, justement, alors, la poésie parlée, la poésie lue dans les livres, l'ouvrir et justement, lui donner justement cette ouverture visible en étant associée à l'art plastique. Excellent. Et est-ce qu'on pourra acheter, je ne sais pas, des œuvres peut-être sur place, si par exemple un téléspectateur vient, se déplace, et puis un coup de cœur pour ton art, est-ce qu'il pourra acheter une de tes œuvres? Oui, bien sûr. Venez pas avec le temps, en plus c'est gratuit, l'entrée est gratuite, donc venez quand même avec votre porte-monnaie. Oui, bien sûr. Et 2-3 billets, ça peut faire du bien, ce sont nos artistes, c'est du local en plus. Oui, et le travail de l'esprit n'a pas de prix. Travail de l'esprit n'a pas de prix. Juste, quelle belle parole, quelle belle phrase. Justement, est-ce que tu peux nous donner un extrait de tes poèmes? Quelque chose que tu affectionnes particulièrement? Là, comme ça, tout de suite, improvisation, c'est totalement improvisé. Là, je lui demande ça, elle n'était pas prête, elle n'était pas préparée. Donc, si elle arrive à le faire, c'est que vraiment, c'est une artiste de haut niveau. Et je pense que c'est une artiste de haut niveau parce qu'elle vient de Bastia. Dit-on. Alors, j'ai ce texte, justement, qui est associé à 90 dispensés en résonance, qui est Écho. 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 Allons-y. C'est ainsi que je décris ce phénomène... Juste là. Voilà, regarde le public dans les yeux, c'est parti. C'est ainsi que je décris ce phénomène qui s'est produit ici, ainsi. J'ai perçu de façon distincte cette répercussion, cette onde venue de très loin, de très haut, mais de si près. Il reste une trace de ce retentissement cosmique. J'en reste statique face à cette dimension fantastique. Et si on déposait l'horloge du temps, tic, tac, tic,
Et si on laissait planer à l'instant le chant de l'authentique, en voici une version idyllique. Vision démultipliée, perception du beau affiné, délire façonné, sens de la créativité propulsé, possibilité de décupler sa potentialité, rêver sans s'arrêter, exister sans demander, être sans être dépossédé. Une sphère, on laisse le hier pour entreprendre ce futur d'une nouvelle ère. Je ne vous offre qu'un peu de ce lieu pour qu'à votre tour vous y rêviez sitôt que vous fermerez les yeux. N'est-ce pas merveilleux de se laisser bercer par toutes ces histoires inconnues qui vous mettent à nu sans vous déshabiller de vos habits et de vos vertus? Je reviens à mon premier ressenti, celui que je vous ai décrit au début, ce phénomène qui s'est produit ici, ainsi. Par-delà le ciel, par-delà la terre, au-delà de l'esprit, au-delà du cœur, plus rien n'est pareil. L'esprit s'éveille, le temps n'est plus temps, c'est cet aujourd'hui qui produit la vie pour que demain naisse une assemblée de marcheurs ayant répondu à l'écho d'un autre type. Je partage aujourd'hui avec vous cette expérience onirique, magnifique, fantastique, pour en faire une poésie magnifique. Maman, oh là là, PK, mesdames et messieurs. Eh oui, on ne reçoit pas n'importe qui ici sur ce plateau. Il y a du niveau et le niveau, il est là. C'était magnifique. Merci beaucoup. En plus, sa façon de parler, de l'énoncer, c'est... Oh, alors, encore une fois, là encore, je vais te demander, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Parce que là, je suis sûr que tu as réussi vraiment quelque chose. Oh, moi, je reste bouché. Merci beaucoup. Ah, je vais venir à Saint-Claude. Alors, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Oui. Au cas où, si justement, les téléspectateurs veulent te suivre, veulent connaître ton art, ta poésie, est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet, YouTube, Twitter, numéro de téléphone? Vas-y, balance tout. Alors, PK, justement, sur Facebook, Instagram, et la liste, Styli? Alors, bien entendu, @, il y a même une adresse. Deux adresses mail, tambouka@hotmail.fr. Et puis, surtout, ce projet, je suis soutenue par l'association Oralis, qui promeut l'art de l'oralité. Donc, oralis971@gmail.com. De toute façon, tout s'est affiché juste ici. Vous connaissez déjà la chanson, vous notez, vous likez, vous partagez et vous allez surtout dans l'expo à Saint-Claude. Eh oui, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. Ce fut excellent. Je vais me repasser justement ta petite poésie en boucle pendant les replays. Oh là là, ça fait du bien, ça m'a apaisé. Tu repasses quand tu veux. Dès que tu as une autre exposition ou quelque chose de nouveau, tu connais le chemin, la porte est ouverte, il n'y a pas de cadenas. Merci. Tu rentres, tu fais comme chez toi. Merci Stylé, et puis je vous attends tous à la médiathèque de Saint-Claude. Un vent de poésie souffle par ici. Joli, et moi je vous attends tous après la pub avec un nouvel invité parce que c'est la TV Service et que c'est votre quotidienne. À tout de suite.